Winky Winky. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Et nous sommes ici pour une occasion très spéciale. Nous allons vous présenter la pièce de théâtre L'Effeluette. L'Effeluette. Alors, L'Effeluette sera représentée au théâtre Denis Pelletier demain soir à 7h. Bon Pierre, que pouvez-vous nous en dire? Alors bonjour Tinky Winky. Bonsoir Pierre, à ce que je vois il fait pas très beau par chez vous. Non, c'est très frisquet aujourd'hui. La température ressentie est de 10. Il pleut beaucoup et je suis très arrosé. Alors revenons à nos moutons. L'auteur de cette œuvre, Les Feluettes, est Michel-Marc Bouchard. Il est né en 1958, il a donc aujourd'hui 55 ans. Il a créé son œuvre en 1988. C'est de genre romantique, dramatique. Plus québécois qu'en contemporain. Une courte biographie de Michel-Marc Bouchard, ben, il est né en 1958, comme je vous l'avais dit. Mais ce que vous voulez savoir, c'est que dès son jeune âge, il est intéressé par la lecture, l'écriture, le théâtre. C'est pour cela qu'il s'est lancé dans l'écriture de L'Effeluette. Il a même été un enseignant à l'université. Oh oui, eh oui. Il est de nationalité québécoise. Deux de ses œuvres principales, ben, il y a Les Muses orphelines et L'Histoire de Loi. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais rentrer au show. Il fait très froid aujourd'hui. Alors, à plus, Tinky Winky. C'était Pierre, en direct à Châteauguay, Montréal, Québec. Bonsoir, Jean-Guy. Bonsoir. Parlez-nous un peu des personnages. Commençons par Bilodeau. Bilodeau, c'est un jeune Robert Valois qui étudie au collège. Il participe à la production de Saint-Michel. Il aime également Simon. Simon, c'est un jeune Québécois de tempérament impulsif. Il est reconnu pour sa grande beauté. C'est la fierté de son père. Il a 19 ans puis il aime Vallier. Vallier est français, il est reconnu pour son intelligence, puis aussi pour sa grande sensibilité. C'est pour ça qu'il a eu le surnom de Feluette. Puis il est jeune, il est plus jeune que Simon, puis il aime Simon. Alors, continuons avec le résumé. C'est Simon, qui est un prisonnier, qui rencontre Bilodeau, elle est un évêque, plus tard, quand Vallier est mort. Ben, dans l'histoire, ils reviennent dans le passé, puis on voit la mort de Vallier, qui est mort brûlé. Puis à cause de ça, Simon il est accusé du meurtre de Vallier. Puis Bilodeau, ça fait son affaire que Vallier soit mort, parce qu'il est amoureux de Simon. Alors, c'est tout. Merci beaucoup, Jean-Guy. Merci. Est-ce qu'on est en ligne? Oh! Bonsoir messieurs, c'est Eugène, c'est pour quelques informations que vous avez demandées pour la pièce de théâtre L'Effeluette. Donc ma réplique préférée de cette pièce, c'est oui, l'eau la rend plus feluette, parce que on peut comprendre pourquoi la pièce s'appelle L'Effeluette. Ensuite, l'enjeu de la pièce, c'est pendant leur mariage clandestin, Vallier meurt devant les yeux de Simon brûlé. Simon est accusé pour la mort de Vallier. Et Bilodeau est très content que Vallier soit mort, car Vallier ne sera plus dans ses jambes, car il aime Simon, mais Simon aime Vallier. Ensuite, le lien entre cette pièce et une référence culturelle personnelle, c'est que cette pièce est en lien avec une chanson d'un certain Macklemore, et cette chanson, c'est Same Love. C'est parce que la chanson raconte l'histoire d'une personne homosexuelle qui n'a pas la vie facile. Et c'est pas mal la même chose dans la pièce de théâtre L'Effeluette. Alors, c'est pas mal tout ce qui conclut les quelques informations que j'avais à dire. Alors, merci beaucoup, messieurs. On se retrouve plus tard. C'était Eugène Châteauguay de mon sous-sol, Québec, Montréal. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Nous nous reverrons demain pour un nouveau bulletin de nouvelles. Alors, c'était Pierre et Tinky Winky en direct de SCN Nouvelles. Au revoir, Pierre. Au revoir, Tinky Winky.